Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 27 juin 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « N'aimez point le monde ». Alléluia. Le verset est pris de 1 Jean 2, verset 15, qui nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, c'est l'un des premiers versets de la Bible qui a marqué mon jeune esprit réceptif à l'âge de 8 ans. C'est la déclaration de Dieu et elle est définitive. Il dit que si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Vous pouvez confesser 1000 fois que vous aimez Dieu, mais si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Alléluia. Certains ont demandé pourquoi Dieu nous dirait-il de ne pas aimer le monde alors que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pourquoi ne pourrons-nous pas aimer le monde comme le Père l'a fait? Dieu a aimé le monde des hommes. Il a aimé les gens. Il a envoyé son Fils Jésus pour les sauver de leurs péchés. Il n'a pas aimé les systèmes et les choses qui s'y trouvent. Et 1 Jean 2, verset 16 nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. L'Écriture nous avertit contre la mondanité et la vie charnelle. Refuser d'être influencé ou emporté par l'esprit du monde. La Bible dit, dans Jacques 4, verset 4, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié Dieu, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. En tant que saint de Dieu, nous ne devrions pas nous engager dans des discussions non spirituelles où parfois les gens passent des heures à se disputer au sujet de leur équipe sportive préférée et en viennent presque au coup de poing. Ils passent des heures à regarder des films et des émissions de télévision. Mais quand il est temps de prier ou d'étudier la parole, ils s'endorment. Ne vous laissez pas emporter et absorber par de telles choses, au point qu'elles dirigent votre vie et vous détournent de votre but. Vous êtes dans ce monde pour un but divin. Pensez donc différemment et soyez conscient de ce but supérieur pour lequel Dieu en Christ vous a appelé. Alléluia, fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur nous explique de ne pas aimer le monde. C'est une instruction de Dieu. Il a dit dans 1 Jean 2, verset 4, 15, la Bible nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alléluia. Ici, on nous explique que nous ne devons pas aimer le monde. Et il nous explique à peu près plus tard les trucs spécifiques du monde. Lorsqu'on parle du monde, on ne parle pas de les hommes de ce monde. Il faudrait qu'on puisse faire une différence. Dieu nous a donné le monde. Le monde nous appartient. Le monde que vous voyez là appartient aux chrétiens. Ça n'a jamais appartenu à Adam. Adam était un gestionnaire. Mais à nous, par contre, on a reçu le monde comme héritage. Il a donné à Jésus et Jésus nous l'a donné. Maintenant, on est joint héritier avec Christ. Ça fait partie de notre héritage. Notre héritage est plus grand que ça, mais ça fait partie de notre héritage terrestre pour le moment. Donc, en tant que propriétaire de ce monde, nous devons comprendre qu'est-ce qui est aimé, qu'est-ce qui n'est pas aimé, qu'est-ce qui est apprécié, comment aimer ce monde. Aimer ne veut pas dire qu'on va se mélanger à eux, on va commencer à agir comme eux, non, ça c'est pas aimer. Aimer ses enfants ne veut pas dire que tu vas commencer à aimer, par exemple, tout ce qu'ils aiment. Si les enfants, par exemple, commencent à aimer Roblox, tu vas commencer à aimer le Roblox, les jeux bizarres, tu vas commencer à être exactement comme eux, non. Aimer son enfant, c'est lui donner des instructions, savoir où il part, qui n'est pas bien, et puis le diriger. Et c'est pareil pour le monde. On a reçu le monde en héritage, ça nous appartient. Mais surtout le monde des hommes. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il ne dit pas les systèmes de ce monde. Le monde a été régi par le diable pendant combien d'années? Adam a donné sa gestion au diable. Donc le diable, il a créé des systèmes de ce monde qui sont déjà établis pour pouvoir détourner le monde, pour pouvoir mettre le voile sur le cœur des hommes, sur les yeux des hommes. Donc, l'amour de ce monde, c'est-à-dire que l'amour de tous les systèmes, l'amour des richesses de ce monde, l'amour de tout ce qu'on peut voir, n'est pas ce que Dieu veut pour nous. La Bible dit qu'il a aimé le monde, c'est-à-dire qu'il a aimé les hommes. Il a compris que les hommes
sont précieux pour lui. Il a compris que les hommes sont, sont un asset pour lui. Il a aimé les hommes. Il a aimé ceux qui sont à l'intérieur, mais pas le système, c'est-à-dire que pas tout ce qui est dedans. Alléluia. Tout ce qui est dedans. Et il a fait sortir de ce monde-là, il a fait sortir des hommes-là, une épouse pour son fils. Une épouse. Donc, il a aimé réellement le monde. Mais il a aimé quel monde? Il n'a pas aimé le monde des richesses de ce monde. Ces richesses de ce monde ne se sont, elles sont temporaires. C'est pour ça qu'il a dit qu'on peut prendre ces richesses-là pour aller transformer ça, les convertir en richesses spirituelles. Mais ne pas prendre ça pour croire que c'est une fin en soi. Ne pas prendre ça pour dire que non. C'est-à-dire que ne pas aimer tellement les richesses-là pour qu'on puisse être dominé par cet amour-là, non. Non, 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 non. On doit comprendre que les richesses sont pour nous un moyen, sont pour nous une devise pour pouvoir atteindre nos objectifs spirituels, qui est d'amener les gens des ténèbres à la lumière et de pouvoir amasser des biens spirituellement pour notre éternité. Alléluia. Donc, on ne prend pas le monde pour pouvoir se confondre à tel point que on est perdu dans le monde, où on est assimilé aux gens de ce monde. Parce que plus on est dans ce monde, plus on pense à ce monde, plus on est mélangé à eux, plus on commence à les aimer et on commence à agir comme eux. Et quand on commence à agir comme eux, on va commencer à subir tout ce qu'ils subissent. Qu'est-ce qu'ils subissent? La mort, la maladie. Ils subissent tout alors que nous, on est des dieux. Nous, on est au-dessus de cela. Mais on est au-dessus de cela par la conscience de qui nous sommes. Si nous sommes tous les temps dans le monde, en train de regarder ce qu'eux regardent, en train de regarder les télévisions, les discussions inutiles et tout ça, on va commencer à penser, parler et tomber malade comme eux et puis mourir comme eux. Alléluia. On n'est pas de ce monde, mais le monde nous a été donné. Le monde des hommes. Pas le monde des systèmes. Pas la richesse de ce monde. La richesse de ce monde, pour nous, ce sont des instruments pour atteindre ce que nous devons avoir. Donc, nous devons être focus de où on part. Nous devons être focus de comment est-ce qu'on utilise le monde-là pour pouvoir montrer au monde l'amour de Dieu. Les hommes de ce monde ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. Et ils sont ancrés, ils sont obnubilés, obsédés par l'amour de ce monde, par les choses qui vont finir bientôt, par des richesses terrestres qui n'ont pas de durabilité longtemps. Beaucoup accumulent des richesses pour la vie d'ici, une vie qui est temporaire. La mort vient les prendre et la richesse reste sur cette terre. Vous me direz qu'ils donnent ça à leurs enfants, c'est bien, donnent ça à leurs enfants, mais la vraie richesse, c'est celle qu'on accumule sur la terre pour l'éternité. C'est celle-là qui est la vraie richesse. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. De ne pas aimer ce monde, mais de l'utiliser comme il se doit. Pouvoir créer des choses, pouvoir mener des hommes, promener des hommes des ténèbres à la lumière. Et pouvoir créer nous-mêmes des richesses éternelles. Lorsqu'on envoie des hommes des ténèbres à la lumière, on se crée des richesses éternelles. Alléluia. Mon frère et soeur, l'amour du monde, on a vu l'autre fois que. On a vu, je crois, hier, Demas, qui a aimé le monde. Bien qu'il a côtoyé Paul, il a côtoyé Luc, il a quitté, il est allé dans le monde. Il a comme ça, il a tellement aimé le monde parce qu'il n'a pas pris son temps pour pouvoir développer sa relation avec Dieu. Il n'a pris son temps pour pouvoir mettre la parole de Dieu. C'est-à-dire que se submerger de la parole de Dieu pour être focus sur la parole de Dieu parce que c'est ce qui est plus important. Non, il n'a pas fait ça. Ce qu'il a fait, il a regardé les filles, il a regardé les choses de ce monde, il est parti. Parce qu'il n'a pas pris le temps, parce qu'il n'était pas avec, il n'était pas dans un contexte religieux, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans un environnement où la religion était là. Parce que quand la religion est lourde, effectivement, quelqu'un peut quitter le monde. Mais ça, ce n'est pas le contexte de Demas. C'est-à-dire que Demas a décidé que même s'il était avec tout ce monde-là, avec tous ces Paul et Luc, il allait toujours, c'est-à-dire qu'il gardait l'amour de ce monde dans son cœur esprit. Il gardait les richesses, il gardait les filles, il gardait plein de choses. Donc, lorsqu'il a eu une occasion, il est parti parce qu'il s'est arrêté pour une pierre d'achoppement. Il est parti. Il a créé sa pierre d'achoppement. Nous ne sommes pas comme des masses. Au contraire, nous, ce que nous pouvons faire pour ne pas avoir à être aimé, à aimer le monde ou pour ne pas à être submergé par ce monde, c'est rester dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'être soumis à la parole de Dieu, être soumis au Saint-Esprit, avoir une relation et avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit, pas seulement un. Les deux sont importants. Et lorsqu'on le fait, le danger d'être submergé par le monde, le danger d'aimer le monde devient complètement zéro.
Donc, frère et soeur, de temps en temps, vous avez des petits ratés pour regarder la télévision tout le temps. Vous êtes submergé. On n'a pas demandé de regarder la télévision. On demande de regarder la télévision avec modération. Je comprends que quand on regarde la télévision, c'est pour un but bien précis. Pas pour rester submergé. Pour rester pendant des heures devant une télévision en train de regarder des films qui ne vous apportent rien. Les films, qu'est-ce que ça apporte? Des émotions. Ça apporte la haine. Ça apporte la... C'est parce que quand vous regardez un film et puis quelqu'un est méchant, vous commencez à détester la personne. Et ça apporte la haine. Ça apporte la peur. Ça apporte beaucoup, ça apporte, parce que les films sont des bombardements d'émotions qu'on vous donne. Le diable vous donne des pensées qui ne sont pas à vous. Au travers des films, au travers des sports, au travers de plein de... Ça crée des émotions, ça crée des frustrations, ça crée des peurs. C'est pour cela qu'il faut savoir protéger, la Bible nous de garder son cœur. Ça veut dire qu'on peut le faire, on peut trier ce qui entre, ce qui sort. Et les choses de ce monde... Le monde est fait en sorte de pouvoir nous bombarder tout le temps, les choses que nous ne voulons pas. Donc, faisons attention. Et parce que le danger, c'est quoi? C'est quitter Dieu. C'est l'apostasie. C'est quitter Dieu. Pas forcément l'apostasie. L'apostasie, c'est quand tu renonces à Christ officiellement. Mais être détourné, et vivre les mêmes souffrances qu'on est dans de ce monde, alors qu'on est supérieur. C'est-à-dire que commencer à vivre maintenant une vie chrétienne d'esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Et que tu subis le monde. Alors qu'on n'est pas ceux-là qui subissent. On est au contraire ceux-là qui dominent. La Bible nous parle de la... On domine le ciel. Pardon. On domine la terre. On domine la maladie. On domine la mort. On domine tout. On est des dieux. Mais si on vit comme les hommes de ce monde, on va mourir comme les hommes de ce monde. Parce que là, c'est ce que Jésus nous a dit. Vous êtes des dieux, mais vous ne savez pas. Si vous ne savez pas qui vous êtes. La Bible dit que quand un enfant, un héritier est encore enfant, il ne peut pas profiter de l'héritage de son père. Parce qu'il est encore enfant. Il ne peut pas gérer les richesses de son père. Nous ne soyons pas enfants. Soyons au contraire avisés et sachons que nous ne pouvons pas rester aimer le monde et aimer Dieu à la fois. Non, c'est impossible. On a un seul cœur et ce cœur-là, il est complètement soumis à Dieu. C'est pour ça qu'il nous a dit de l'aimer de tout son cœur, de tout notre cœur, de tout notre pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aimer et se soumettre, c'est-à-dire que montrer, prendre la parole de Dieu, c'est-à-dire que être dans la parole et dans l'esprit. Et avec une intimité avec ton esprit. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lire les livres, on ne va pas être dans ce moment, on ne va pas s'instruire avec d'autres livres, non. Ça veut tout simplement dire que on est dans ce monde, mais on est dirigé par Dieu. Voilà, on est complètement dirigé par Dieu. On n'est pas dirigé par nos sens. Même dans le monde, il y a des livres qui ont des lois chrétiennes que vous pouvez lire et pouvez être remplis. Vous pouvez être édifié. Donc sachez être dirigé par le Saint-Esprit, complètement. Soyons soumis au Saint-Esprit complètement. Parce que la définition du péché, c'est quoi? La définition du péché, c'est marcher hors du Saint-Esprit. Ne pas être dirigé par lui. C'est tout simplement la définition du péché. Ou marcher hors de l'amour. C'est pareil les deux. Parce que le Saint-Esprit est amour. Donc, le passage nous explique ici que, d'après Jean 1, Jean 2, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la chair, la convoitise des yeux, de l'orgueil, de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Effectivement, on voit aujourd'hui des compétitions de qui est riche. On voit aujourd'hui des compétitions de « m'as-tu vu ?» Tout ça, ce sont les choses du monde. Ce sont les choses que le diable met dans le cœur des gens pour les détourner du vrai objectif qui est l'amour de Dieu. Et ça, cela ne vient pas du Père. Ce qui vient du Père, c'est les hommes. Ce qu'il a mis dans ce monde, c'est les hommes. Et puis tout ce qu'il a créé, qui a été corrompu, bien sûr, mais la beauté de ce monde, c'est lui qui a créé ça. Alléluia. On va maintenant prendre... maintenant, et le pasteur nous explique aussi, il ne faut pas qu'on s'engage dans les discussions inutiles de sport, de ceci, de cela. On n'a pas fait des heures à discuter des choses du monde, ça n'a pas de sens. Ça ne nous édifie pas. Soyez comme des gens, je veux dire, soyez des gens profiteurs, comment ça, pas profiteurs, mais en tout cas intelligents, dans le sens que non, que est-ce que la causerie profite? Est-ce que ça me profite? Est-ce que ça me bâtit? Est-ce que ça me fortifie? Ça ne vous fortifie pas, quittez là-bas. Les discussions inutiles ne fortifient pas. Surtout les discussions du monde, le football, ça ne fortifie pas, ça ne édifie pas. Soyez des gens qui sont tout le temps en train de chercher comment est-ce que je vais faire pour me fortifier, pour m'édifier. Ne reste pas des gens qui vont rester là, qui sont là comme ça, et puis, vilement, ils sont là, ils vivent comme ça, n'importe quelle causerie, ils sont dedans. Non. Soyons avisés. Alléluia. Alors, donc, on va prendre la prière. Cher Père, le monde a été crucifié pour moi, et moi pour le monde. Je vis pour Christ et je refuse d'être emporté par l'esprit du monde. Ou séduit par les tendances sensuelles.
charnelle et mondaine. Je suis d'en haut et ma pensée est fixée sur les choses d'en haut. Je suis un ambassadeur de Christ appelé à établir le ciel et la justice dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sur Christ. Passez une bonne journée. Soyez bénis.